Ils ont fini par accoster dans la nuit. 700 migrants étaient entassés et en perdition à bord du Blue Sky M, ce navire battant pavillon moldave. Ils ont tous été pris en charge par les autorités italiennes après une odyssée mémorable. Une femme enceinte se trouvait à bord, elle a été prise en charge. Ces migrants clandestins seraient essentiellement syriens. Au départ, leur navire avait pour destination le nord de la Croatie. Mais c'est en arrivant au niveau de l'île grecque de Corfou que le premier SOS est lancé, parlant d'hommes armés à bord. L'armée grecque intervient alors pour une inspection sans rien remarquer d'anormal. Le bateau change ensuite de cap et ce sont les autorités italiennes qui interviennent et permettent le sauvetage à une dizaine de kilomètres de leur côte. La première hypothèse avancée est que les marins auraient abandonné le navire après l'inspection grecque, laissant les migrants seuls à bord.